Lundi après-midi sur une petite route essonienne de la vallée de Chevreuse, Johan Offredo roule avec des amis. Ils sont notamment deux de front sur cette voie étroite. Une voiture surgit alors derrière eux et là, Johan Offredo le raconte, les nerfs lâchent. Un véhicule visiblement très pressé nous a collé très très près, nous a ensuite dépassé en nous rasant à quelques centimètres. Donc on a gueulé, on a fait comprendre qu'on était en vélo, qu'on était vulnérable, et il a tout de suite brandi une lame de cutter. La passagère est sortie et a saisi un manche de balai ou je ne sais quoi et m'a tapé à la tête. Alors dans la foulée, Johan Offredo porte plainte. Les gendarmes doivent désormais trancher une question agression ou altercation qui tourne mal. Les automobilistes racontent que le différend est parti d'un stop. La voiture aurait marqué l'arrêt, coupant le rythme des cyclistes, ce qu'ils n'auraient pas apprécié. Le conducteur évoque un échange de coups. Des confrontations seront très prochainement organisées. En tout cas, les images qu'on vous met sur Europe 1.fr d'Offredo sont impressionnantes. Hein.